Eh bien, bonjour à tous, c'est MaxiunTude, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien, et donc aujourd'hui on se retrouve sur Assassin's Creed Unity pour l'épisode numéro 2. On devait revenir à la maison la dernière fois, après avoir échappé aux deux forgerons là. Et donc on va y aller, on va faire cette petite mission, enfin, même deux peut-être, trois. Bonsoir Olivier, est-ce que Monsieur de la Serre est rentré? Messire de la Serre ne rentrera que très tard. Ah, oh, fort bien. Je devrais pouvoir passer le temps en compagnie d'Élise, alors. Prépare-toi à déchanter. Mademoiselle doit assister à une réception, en son honneur. C'est au palais. Une fête? Je n'ai pas été invité? Les chevaux non plus. J'imagine qu'elle a dû égarer mon invitation. Je trouverai un moyen d'entrer. Bah ouais. T'inquiète pas. Et sais-tu quand monsieur sera de retour? Peut-être une heure, peut-être trois, peut-être pas du tout. Les allées et venues de mes maîtres ne me regardent pas. Alors j'attendrai ici. Sinon tu donnes le message à quelqu'un d'autre et voir qui te le donne à la place. Ok. Donc on va aller ici. Sur ce sofa. Il faut faire quoi? Chercher? Fouiller? Le traité du monde et de la lumière de Descartes. Je n'ai jamais réussi à en venir à bout. Ok. On va tourner autour de la pièce. Il y a la liste sous la porte. Il la trouvera dès son retour. Ah ouais. À part s'il marche dessus. Allez, c'est qu'une lettre. Voilà. Remise en main propre. Et presque en temps voulu. Et maintenant, cap sur le palais. À part si quelqu'un rentre à la place. Oh, je n'oserais pas arborer cette tenue dans un égout. Encore moins un bal. Laissez donc, mon brave. Je vais m'en charger. Oh, merci, jeune homme. Mais... T'inquiète, on maîtrise. Monsieur Maximilien Robespierre, venu seul. Arnaud, le chevalier du Telem. Invitation, s'il vous plaît. Oh, certes, j'en avais une, bien entendu, mais en chemin, je l'ai... Sans invitation, vous ne pouvez pas entrer. Maintenant, veuillez vous retirer. Au suivant! On va passer par-dessus le mur, c'est pas grave. Charles Gabriel Siver, deux invités. Suivant, je vous prie. Pas discret, le truc. Bonjour. J'ai toujours été là, personne m'a vu. Hop là. Laissez la lettre. Mission accomplie. Ok. Donc maintenant, il y a un nouveau truc à faire. Rejoindre le bureau. Ah, il y a un... Ah non. Vous infiltrez dans le palais. Oh, chier. Ah, ok, mais il faut pas passer à côté des gardes. Sans invitation, vous n'entrez... Et j'avais pas vu qu'il y avait des gardes, d'accord. On va faire gaffe, on va passer dans la foule pour passer inaperçu, alors... Quelle affluence. Comme ça. Et on va faire ça même pour détecter les gardes, voilà. Ouais, c'est ça qu'il faut faire, hein. Passer comme ça, entre les gens. Ouais. On va refaire un petit peu, voilà, il y en a un là-bas. Il y en a là-bas, vite, 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 passe. Ouf. Par contre, lui, il va me gêner. Est-ce qu'il bouge au bout d'un moment, lui? Parce que là, il va me voir sortir. Moi, je cours direct. Je sais pas. Ouais, c'est bon. Oh. Ok. Faudrait monter. Est-ce qu'il y a des gardes pas loin? Oui, là. Là, il y a celui-là, là-bas. On peut tester. Allez, hop. Yes. Et voilà.
Wow. J'ai une épée, donc je peux tuer. J'en sais rien. Est-ce que je peux tuer comme ça? Ok, je peux passer. Ouais. Personne ne me voit. Attention. On maîtrise. On s'infiltre. Ok, je les vois sur la carte, donc je sais s'ils se retournent ou pas. Il y en a un là. Je sais pas par où l'entrée. Oh là. J'ai un petit peu à attendre le temps qu'on voit ce qui se passe, où il va. Non, il bouge pas lui. J'espère. Alors, ce problème, ça vient ? Waouh, en fait, il bouge. Putain, je suis collé à lui. Waouh. Je pouvais pas l'assommer, je sais pas pourquoi. Ok, c'est pas grave. Ça marche pas. On va passer par le balcon alors. Ok. Allez, descends. Ouais. Vous là-bas, halte! Descendez de là! Me laisserez-vous rentrer si je m'arrête? Plaît-il? Mais certainement pas! Alors, si cela ne vous fait rien, je préfère rester là-haut. Non, descendez! Voilà, il n'y a plus de garde ici, je crois. Trouvez Elise. Vous retrouverez plus tard dans les jardins. Bien sûr. Là-bas. C'est sûrement pas elle. Non, parce qu'on peut rien faire. Je vais encore passer par où, hein. Est-ce que là c'est ouvert? Non. Par là-bas. Je peux pas courir, donc c'est chiant. C'est long. Le mec il va mettre longtemps à monter, donc ça va. Hop là. Voilà, il y a beaucoup de monde quand même. Ah, elle est là. Vous cette danse, beau gentilhomme. Non. Merci. À notre jour. Oh. Comment elle est vénère? Se soulève cet après-midi. Ok. Je peux pas courir. Encore. Ça ferait un peu bizarre le mec qui court en plein milieu du bal. Dispersez-vous. Oui, il était là le mec, il est parti après. Ok. Je te rattrape. Ça me fait penser comme au début là quand on devait la suivre. Elle a toujours aimé qu'on lui court après. Mais voilà. Si possible avec des vêtements. Oh là là. Et là c'est un piège en fait. Ah bah non. On dirait que tu as causé une belle agitation. Que veux-tu que je te dise? Tu as toujours eu une mauvaise influence. C'est toi qui déteins sur moi. L'une des tenues de mon père. Et toi, tu portes une robe. Arrête, Arnaud. Engoncé dans cette chose, j'ai l'impression d'être une momie. Ça doit être une grande occasion pour que tu sois si élégante. Détrompe-toi. À dire vrai, c'est beaucoup de cérémonies, énormément de pompes. Rien de palpitant. Quand tu ne m'invites pas à tes fêtes, tout le monde en souffre. J'ai essayé, mais mon père s'y est opposé. Ton père ? Ouvrez ! Va-t'en, je vais les distraire. Quoi ? Tu me jettes dehors ? C'est compliqué, je t'expliquerai plus tard. Ne traîne pas, par la fenêtre. Oh non. Tu ne vas pas me refaire le coup de la pommerée. Cesse donc de faire l'enfant. Je suis certaine qu'il n'y aura pas de chien de garde cette fois-ci. Allez !
il se fait désirer, le mec. Hein. Seigneur, ce n'était pas la salle de billard, n'est-ce pas? Ah, faut que je descende? Merde. Hop là. T'es toute situation de conflit. Ok. Je vais devoir passer par cette porte alors. J'aurais pu me barrer par le toit aussi. Je peux passer. J'aurais pu être de service à la fête, mais non. Quelle perte de temps. Il n'y a personne ici. Bah, il n'y a personne, alors pourquoi tu viens faire ça? Ouf. Il s'est relevé. Lui, par contre, il va me regarder si je sors. Ah bah, il n'y a pas de... Pourquoi je dois partir? D'accord. Je peux passer par ici. Le mec, il s'est barré. Faut trouver une porte ouverte. Parce qu'on peut pas ouvrir les portes. Là. Non, même pas. Par là-bas, vite. Franchement, qui viendrait traîner par ici? Qui est? Je parie à 10 contre 1 qu'un de ces rupins va me vomir sur les pieds. Mais non. Lui, il regarde un peu. Ah non, c'est bon. Je peux y aller. En plus, il regarde pas à chaque fois. Par là-bas, il y a une c'est porte ouverte. Que vous avez. Quelle misère. Ok. C'est bon. Tout va bien, monsieur? Vous avez abusé du champagne? Non, il s'est fait tuer, en fait. Monsieur? Monsieur de la Serre? Monsieur de la Serre! Siver, il faut partir! Garde! À l'aide! Au meurtre! Et on m'arrête moi, bien sûr, ouais. Mon Dieu, il a tué le seigneur de la Serre. Ah, si la justice était comme ça, ça serait un peu bizarre. Genre, tu vois quelqu'un de ta famille qui meurt, tu vas vers lui, tu pleures au-dessus de lui, et puis c'est toi qui te fais arrêter pour meurtre. C'est un peu bizarre. Enfin, en vrai, ça serait pas comme ça, mais... Heureusement que c'est pas comme ça, d'ailleurs. Ouais. Garde de merde. C'était Damien qui tenait le couteau. De grâce, ayez pitié. Ouais, j'ai rien fait, j'avais pas d'arme. Il nous tue. Oh mon Dieu, ayez pitié. On tue les prisonniers ici. Ça suffit, espèce de dégénéré. En enfer. Ouais. On va réussir à s'échapper. Entrer dans une zone non autorisée. Ok, la prison n'est pas autorisée. Qu'est-ce que tu regardes, merdeux? Quoi? Et je peux pas lui parler? Laisse-moi tranquille, gamin. D'accord. Ok, bon, on va voir. Oula, 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 j'ai du freeze ici. Ça, c'est quoi? Pas le fer rouge! Pitié! Le fer.
Pourquoi j'ai des frises ici? Putain, y'a rien. Bienvenue dans ton nouveau foyer. Fuck. What the fuck? Pourquoi j'ai des frises ici? Je vais dormir. Ok. Où est-ce que t'as trouvé ça, merdeux? Arrête, je ne suis pas d'humeur. Rends-la-moi! Viens me la reprendre. Si tu t'en crois capable. Ok, je vais t'exploser, mec. T'aurais pas dû demander ça. Allez. Tu me fais perdre mon temps, merde. Ah, ok. Tu me fais perdre mon temps, merde. Tape-le. J'attends qu'il tape. Avec la petite musique en arrière-plan. Qui va pas du tout avec le combat. Joli coup, merde. Mère 3. Voyons si tu te défends aussi bien. Bah ouais. Tout ça pour une misérable antiquité. Je connais une misérable antiquité qui ferait certainement mieux de se taire. Répète-moi ça. J'ai rien d'autre à te dire, vieillard. Allez. Désolé, on entend beaucoup ma souris, mais... Putain, j'ai des frises. Je comprends pas pourquoi. Fais gaffe, j'ai tapé les autres. Allez, on s'embrasse un peu. Ah ouais. Rends-moi ce qui m'appartient et retourne à tes dessins, vieillard. Mes dessins? Ces dessins, là, il y en a partout. Tu as couvert toute ta cellule de tes pattes de mouche. Pourquoi des frises? Mais... Approche un peu, petit merdeux. Tu vas me lâcher? Regarde bien le mur. Qu'est-ce que tu fais? Regarde-le. Concentre-toi. Oui, c'est vrai, tout à l'heure, il y avait des trucs. Mais je les vois, mais... Qu'est-ce que c'est? Des messages du passé. Je me suis fait jeter dans la moitié des prisons de Paris pour les trouver. Comment tu t'appelles, petit? Arnaud. Arnaud Victor Dorian. Dorian. Je m'en doutais. Pierre Bellec. J'ai connu ton père. T'en as de la chance. Il est mort à Versailles. En quelle année déjà? 76? 77? En décembre, si je me souviens bien, et pas de témoin. Comment sais-tu? Mon père était un assassin, Arnaud. Il s'est battu toute sa vie, afin que l'humanité puisse vivre libre. Reste à mes côtés, et tu vivras assez longtemps pour rejoindre la confrérie. Faire honneur à sa mémoire. Écoute, je suis persuadé que ta petite secte est vraiment charmante. Mais ça ne m'intéresse pas. Si, ça t'intéresse. Tout ce que je veux, c'est retrouver Elise. Et comment tu comptes t'y prendre depuis cette cellule? Pas faux. Deux mois plus tard. Putain, il est resté deux mois quand même avant de faire un truc. On dirait qu'il l'aime bien. Encore. Concentre-toi, merdeux. Et qu'est-ce qui se passe dehors? Les citoyens s'agitent. Tends bien l'oreille, la chance pourrait venir frapper à notre porte. Allez, Carstor, c'est à moi de regarder. Sinon, nous, on voit pas. C'était un coup de canon. Parfois, la chance frappe en faisant exactement le même bruit. Protégez les prisonniers. Fais comme moi.
Ok. Assommer le voleur. Vite, qui... merdeux, avant l'arrivée des gardes. Ok. Prisonnier, debout contre le mur. Au nom de qui ? Vous avez bien dit que ça finirait mal. Silence, en arrière. Tuer les gardes. Ok. J'aurais pu prendre l'autre, ça aurait été plus simple pour lui, mais pas grave. Bon, il est temps de sortir de ce. Vous là-bas. Ok, on y va. On s'échappe, prison break. C'est pas par là, si, c'est par là, par l'échelle. Ah. Et ouais. C'est comme ça qu'on fait. Oh, je l'ai foutu un coup de deux têtes, mais ça a rien fait. Voilà. Mais pourquoi les frises ils sont aussi présents là. Je sais pas, pourtant on est à l'intérieur et tout, y a pas de raison. Allez hop. Allez, on peut y arriver. Ouais, t'inquiète. Surtout, prends ton temps, Bellec. Mais oh. Oh, j'ai pas le temps. Mais oh, wow, wow. Mais je pars pourtant. Pourquoi ça me. Aïe. Ah, ok, je peux même pas bouger, je suis mort. Et pourtant, j'appuie sur la touche pour contrer, mais ça le fait pas. Pourquoi. Alors on va recommencer. Dis-moi que tu plaisantes. Ah, bah d'ailleurs ça m'a passé le truc. On y va, merdeux. Nous sommes perdus. Ah. Quoi il faut. Qu'est-ce qu'il fait. Faut juste que je fasse une parade. Mais personne m'attaque aussi. Non. Mais qu'est-ce que tu fais. Sérieux. Non mais monte pas là. Mais qu'est-ce qu'il fait. Mais il fait n'importe quoi. Je vais pas monter là moi. Ah ok mais. Oh wow, what the fuck. Je sais pas comment j'ai fait pour pas me faire tirer dessus. Frise de merde. Je sais pas pourquoi quand je suis dans l'open world, enfin dans la ville, c'est en open world et je lag pas, et là je sais pas, les freezes dans ce jeu sont chelou. Allez. Par ici. Ah, ok. Mais tirez, bon sang. Mais merde. Ouais, il faut descendre là. Non, protéger, fuck. Mais ok. Allez, prends ça. On va un peu l'aider là. Mais putain, mais je sais pas comment ils font pour me toucher autant. Ok. Et maintenant. Bravo. Ah. Et comment on fait pour redescendre. Et confiance. C'est chelou les lags. Hein. Je me rends, ok, le mec il attaque même pas, on va pas le tuer. Qu'est-ce que t'attends, merdeux. S'il y a une botte de foin en bas, ouais. Quoi. La prison t'a ramollé la cervelle, vieillard. Le vin s'en est chargé depuis longtemps. Allez, grimpe maintenant. Je ne peux pas, c'est impossible. Impossible. C'est le pain quotidien des assassins, petit. Si tu veux un jour te sortir la tête du cul, viens nous trouver. Tu te sentirais chez toi. Au revoir, merdeux.
Toi, éloigne-toi du rebord. Non. Allez. Oui, ah, il y a de l'eau en bas. Ça s'appelle l'intro. Voilà, le titre Assassin's Creed avec des lags. D'accord. Bon bah voilà, on s'est échappé quoi. Ok. Élise ? Ok. Eh bien, quel accueil ? On n'est jamais trop prudent. Pas après ce qui s'est passé. Ok, le 6, c'est une assassin. Je... N'as-tu pas déjà assez remercié mon père de sa bonté ? Élise, je t'en prie. Comment peux-tu croire que j'ai tué Monsieur de la Serre ? Ton père n'était pas l'homme que tu croyais. J'ai vécu la même chose avec le mien. Je sais exactement qui était mon père, Arnaud. Et je sais qui était le tien. Je suppose que c'était inéluctable. Tu es un assassin. Oui, non, c'est un templier. Moi, un templier. Toi ? Ça te surprend ? Mon père a toujours voulu que je suive la même voie que lui. Désormais, je ne peux que le venger. Je te jure que je ne suis pas responsable de sa mort. Tu te trompes. T'as qu'à regarder ma vidéo. Non, j'ai... Non ! Sur mon âme, je jure que je n'ai pas. C'est... Une lettre envoyée à mon père le jour où il a été tué. Lila. Je suis sûr que c'est une lettre signée à mon nom. Grand maître de la Serre, l'un de mes agents m'a informé qu'un individu au sein de notre ordre complote contre vous. Je vous conjure de rester sur vos gardes lors de l'initiation de ce soir. Ne faites confiance à personne et méfiez-vous surtout de vos amis. Puisse le père de la sagesse vous guider, elle. Je l'ai trouvé par terre dans la chambre de mon père. Cacheté. Je ne savais pas. Mon père non plus. Comment aurais-je pu savoir ? Va-t'en. Je t'en prie. Pourquoi c'est ma faute, hein, hein ? Parce que j'aurais dû l'ouvrir, sa lettre, bien sûr. Si elle est cachetée, c'est que c'est important. Non. Ok. Carte cité. Arrête de friser. C'est moche. C'est le seul jeu où j'ai des frises comme ça. Hein. Bah du coup tu vas rejoindre les assassins. Ce serait une bonne alternative. Oh. Diable, qu'est-ce que c'est censé vouloir dire ? Ah là. Sur la cathédrale, non ? Enfin sur On dirait que ça représente Paris. Ah, je suis à Paris maintenant. Regardez le signe au milieu là-bas. Je suis sûr que c'est ça. Mémoire terminée, cool. Ah, arrête de friser, ma caméra elle fait n'importe quoi. En bas. Donc je vais arrêter l'épisode là. J'espère qu'il vous a plu malgré les frises. Donc nous on va se retrouver pour un prochain épisode ou une prochaine vidéo. Allez, salut.